C'était donc le Hot Antique Jazz Band de Nîmes. Maintenant, une grande formation que vous connaissez déjà, je pense, le Royal Tenkopators Orchestra. Voilà. J'ai trouvé le micro qui va. Voici pour commencer ce concert quelques morceaux de Duke Ellington. Pour débuter, voici East St. Louis Toodaloo. Thank you.
Merci, c'était donc East St. Louis, Toodle O. Et voici maintenant Drop Me Off in Harlem. Thank you.
Merci. Après Drop Me Off in Harlem, que vous avez pu entendre d'ailleurs dans le film Cotton Club de Coppola récemment, voici The Mooch.
Dans The Mooch, vous avez pu entendre la clarinette basse Philippe Colomb. Au trombone à coulisses et arrangeur du morceau, Jacques Cadieux. En duo avec à l'alto, Didier Burgot. Au piano, Thierry Autier. Et au saxophone ténor, Jean-Michel Viennet. La trompette Grohl solo était par Daniel Torel. Pendant que j'y suis, Francis Quétier à la batterie d'époque. Patrick Perrin au sousaphone. Michel Panopoulos au banjo. Voici maintenant la dernière danse à la mode. La continentale.
bien après la Continentale, voici un retour, un répertoire de Duke Ellington. Voici une composition de Bubber Miley et de Duke Ellington qui s'appelle Black and Tan Fantasy. Thank you.
Eh bien, voici maintenant Rocking in Rhythm.
Voici maintenant, après Rocking in Reason, Lost in Meditation. Thank you.
voici maintenant Sing Your Sinners. Et maintenant, pour terminer, c'est le directeur. Come on, boys. Let's do that mess around. Thank you.
Merci. Au piano, nous avions Thierry Autier. Au saxophone ténor à la clarinette, Jean-Michel Viennet. Au saxophone alto à la clarinette, Didier Burgot. À la clarinette basse, à la clarinette, au saxophone alto, Philippe Collomb. À la clarinette et au saxophone baryton, Yann Kéméré. Au trombone à coulisses et arrangement, Jacques Cadieux. À la trompette solo, Daniel Torel. Au banjo, Michel Panopoulos. Au sousaphone, Patrick Perrin. À la batterie, Francis Quétier. Aux arrangements, à la trompette et à l'extinction de voix ce soir, Olivier Brard, qui vous remercie beaucoup.